Salut à tous, c'est quoi pour vous le job d'assistant qualité dans l'agroalimentaire? Allez, notez-moi ça en description s'il vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête. Moi j'imagine quelqu'un aller peut-être en blouse blanche, dans un labo, qui fait des analyses, des contrôles. Bon, en tout cas, c'est le job que je vous emmène tester aujourd'hui ici. On est au cœur de la Mayenne, chez les volailles Rémy Ramon, et c'est aussi le job d'Aïedon avec qui j'ai rendez-vous. Allez, suivez-nous! Salut Aïedon. Bonjour Géry. Tu vas bien? Impeccable et toi? Bah super, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Alors raconte-moi, moi j'imaginais quelqu'un en blouse blanche, qui faisait des contrôles dans un labo. Explique-moi ton job, il consiste en quoi au quotidien? Mon job en fait c'est de m'assurer en fait que tout ce qu'on fabrique comme produit sur le site ne présente aucun danger pour le consommateur. Chaque semaine, moi je viendrai en fait établir une liste de produits à analyser en fonction des différentes productions qui sont prévues. Et quels sont les produits ici qui sont transformés? Alors, on est un site qui est spécialisé dans l'abattage, la découpe et la transformation de poulet. Je suis très polyvalent en fait, ouais. Moi. Mes missions vont toucher non seulement la partie, on va dire, tout ce qui est audit de certification, préparer les audits, accompagner les auditeurs, et aussi tout ce qui va être formation du personnel sur l'hygiène, sur le nettoyage, échanger surtout avec la production, voir les sujets sur lesquels on peut apporter des améliorations. Ah oui, voilà. Tu travailles aussi à l'amélioration continue. L'amélioration continue, de toute façon la qualité c'est de l'amélioration continue. Et il y a de l'administratif aussi. Il y a de l'administratif, voilà, la mise à jour des procédures, la mise en place de nouvelles instructions lorsqu'il y a de nouvelles machines ou de nouveaux équipements. Okay. Voilà. Vous êtes combien dans le service? Service qualité, en fait on est 4 dans le service. D'accord. Qualité. Deux chargés de qualité, une responsable qualité qui manage toute l'équipe. Okay. Et une contrôleuse qualité. Bon, et qu'est-ce que tu dirais à nos amis qui se posent des questions? Tiens, moi, pourquoi pas l'agroalimentaire, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai des images négatives. Qu'est-ce que tu dirais? L'agroalimentaire, ce n'est pas que des papiers, ce n'est pas que des procédures, c'est beaucoup d'accompagnement sur le terrain. Le but quand même d'avoir un produit qui est sain, sûr et fiable pour nos différents clients. En tant que consommateur? En tant que consommateur. Parce que aussi. Tu es aussi consommateur? Je suis aussi consommateur, aussi. Je consomme des produits d'ici. Et alors ton préféré, c'est quoi? C'est des aiguillettes de poulet. Ouais. Mariné au thym citron. Oh, voilà, en fait, c'est sympa ton menu. Quoi. C'est ton job. Il y a tout un menu. Vous allez voir. Alors, poulet mariné au thym citron, cuisse de poulet aromatisée au mexicain. Oui. Bon, bah, dites-nous ce que vous préférez, vous, en commentaire. Et puis, on commande le menu. Bon, on va les faire, ces prélèvements? On va les faire. J'ai tout prélevé déjà, là, pour la semaine. Ah bon, bah, j'ai plus rien à faire. Alors, attends. Bon, j'ai pas fini. Vas-y. J'ai quasiment tout prélevé. Il me reste juste, en fait, 5 prélèvements à réaliser. Nous voilà équipés pour aller à l'atelier. Nettoyage et désinfection des mains obligatoires. Tu travailles dans la qualité, toi, non? Bah, bien sûr. Bon, explique-moi ce qu'on va faire, alors. Alors là, on va faire des prélèvements sur les pots de cou. D'accord. Donc, c'est des prélèvements réglementaires. On fera 5 échantillons. Dans chaque échantillon, on a besoin de 3 pots de cou. On part en bloc opératoire. Ouais, allez. Est-ce que tu m'embauches? Quand tu veux. Ah bah écoute, j'arrive. Hein. T'es le bienvenu. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus. Postulez. C'est quoi les qualités pour bosser avec toi? Les qualités, je dirais plus la rigueur, la partie organisation. Et la dernière qualité, je vais dire la pédagogie par contre. Ouais. D'accord, transmettre quoi. Transmettre, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. La qualité est toujours meilleure. Les deux se complètent, moi j'ai un master. Dans les deux départements, nous recrutons. Le Gaulois, Medcoq et surtout les volailles Rémy Ramon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça y est, je suis embauché chez Rémy Ramon. N'hésitez pas vous aussi à postuler. Ils recrutent ici en Mayenne. Et merci Aïedon pour la découverte de ton job. Merci à toi Géry, pour le coup de main. Je t'en prie, j'espère que j'étais efficace. Si, tu as été très efficace. C'est vrai? Oui. Et pour le coup, je t'offre en fait ma saveur préférée. Thym citron. Waouh, du soleil dans mon assiette. Oui, tu le mérites. Merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas Aïedon. Likez la vidéo et abonnez-vous.